Bonsoir tout le monde. Donc on se présente, moi associé, moi et un autre associé qui n'est pas là, Hocus Pocus, donc Jérémy, Laurent. On est une. On va commencer par ça plutôt, c'est mieux. On est un studio d'animation, donc 3D, où on fait également des FX et du motion design, donc animation 3D. Pour tout ce qui va être de l'ordre de du clip, qui va être de l'ordre du film institutionnel, qui va être de l'ordre du de tout, du génial, ouais, exactement. Tout ce qui peut vous faire rêver, cinématique de jeu, ce genre de choses. Et après, on arrive aussi à aller à toucher d'autres secteurs qui sont plus cinématographiques et plus sur la série, où on est sur de l'audiovisuel et on va faire vraiment plus de l'FX, des effets spéciaux et du motion design. Ça, c'est la petite partie, mais ce qui accompagne un peu tout le truc. On est aussi une autre département, on va dire, qui fait partie de la société qui s'appelle Kinematic Lab, qui fait de la R&D et sur lequel en fait on a quelqu'un qui fait de la conception et de la R&D donc sur des outils pour 3ds Max. Donc je sais pas si certains ici utilisent le logiciel, qui est un petit peu qui a certaines contraintes qui nous permet voilà de dépasser ces contraintes là. Donc ça nous permet nous d'avoir un shop sur internet où on vend des outils pour 3ds Max. Et aussi d'avoir des choses en interne qui nous permettent de pouvoir avoir un workflow et travailler un peu mieux et plus facilement sur certaines productions. Donc on... Non, loupé. Tac, tac. Donc ouais, on est créé en 2014, donc ça fait 5 ans qu'on existe. On est sur les quais à côté de l'Opéra. On est donc 3 associés qui travaillons à temps plein et on augmente nos... notre effectif en fonction des besoins, des projets, parce que généralement à 3 on s'auto-suffit généralement, mais quand on a des projets plus ambitieux, on arrive encore à faire appel à des gens qui sont sur Lyon ou qui sont sur de partout en fait dans le monde au final, pour nous aider sur la réalisation de certains projets. Au niveau des cibles, on travaille beaucoup avec les agences de communication, que ce soit national, et après des producteurs, des réalisateurs en direct qui viennent nous voir, qui ont des besoins en effets spéciaux, qui ne trouvent pas forcément ailleurs que sur Paris. Donc généralement on arrive à avoir cette petite facilité d'être sur Lyon pour aussi emmener des fois de temps en temps des choses un petit peu plus nouvelles chez nous. On en a combien de temps là? Je suis nul hein. j'ai laissé parler un peu ce qu'on fait plutôt que m'en parler trop. Vous allez le voir, c'est bien mieux. Voilà, donc un condensé un peu de toutes les productions qu'on peut faire. Donc beaucoup de choses, on est assez hétéroclite sur les productions. Quoi d'autre? Après la fin. Alors pourquoi on est là? Deux choses, en fait on a fait appel à Imaginov pour nous filer un coup de main sur un projet en interne qu'on aimerait développer. Pour développer notre boîte aussi et avoir des choses un peu plus sympas à montrer encore et encore. Parce que ça ne vient pas forcément de l'extérieur, des fois on est obligé de faire aussi des choses nous-mêmes. Sauf que ça coûte aussi de l'argent et on essaye d'avoir des subventions, des choses comme ça. Donc on a demandé à Imaginov de nous filer un coup de main par rapport à comment, qui aller voir. Et deuxièmement, c'est aussi pour rencontrer des gens un petit peu sur Lyon. Qui ferait plus ou moins le même travail que nous ou pas. Bon, l'idée aussi, c'est qu'on a cette volonté, nous, sur Lyon, d'essayer de faire bouger un peu les choses, dans le sens où dans 3D, généralement, 90% des productions sont à Paris. Ce qui peut être assez généralement frustrant à notre niveau-là, parce qu'on peut faire des choses jolies sur Lyon. Le truc, c'est qu'on est plein de petits studios, pas nombreux. Et dans l'idée, ça serait aussi pouvoir
voilà, développer un peu des partenariats, des compétences mutuelles, on va dire, pour pouvoir être une équipe capable de pouvoir rivaliser avec des productions parisiennes, tout simplement. Plutôt que de faire chacun son coin des petits trucs, autant faire un gros truc ensemble, ça pourrait être aussi un truc un peu sympa. Donc voilà en gros l'idée.